serious, but we also want to produce, you know, brave, imaginative, self-disciplined and tolerant individuals who will go out into the world. Thank you. Une activité pro bono tirée d'un gain assez élargi d'expérience et d'expertise professionnelle et autres. Je contribue au développement de cette école qui a ouvert ses portes en 2012. Nous avons commencé par l'école primaire et en septembre 2016, nous avons ouvert l'école secondaire. Et à présent, nous proposons tout le curriculum britannique qui organise des examens à la fin du cursus. Donc, c'est un baccalauréat britannique, le A-level. Et en parallèle, nous proposons un autre diplôme qui est le BTEC. C'est une école qui propose un enseignement primaire et secondaire selon le curriculum national officiel britannique. Et ce curriculum est enseigné par des experts, par des enseignants expatriés britanniques qui sont assistés par des Tunisiens. Mais notre corps pédagogique principal se constitue d'enseignants britanniques avec des diplômes d'enseignants national britanniques. The mission of the school is to create lifelong learners that are critical thinkers, problem solvers, that are not afraid to take a risk, that understand the value of working together as a team, that have their own vision, that have their own self-discipline to know what they have to achieve and when they have to achieve it by. And the motto of we try and we try and we try again. And that they are empathetic and that they are resilient learners and they understand the culture and the heritage of their peers that they are working with. Because we are a British international school, we have children coming in from many, many countries with many, many different needs, with many, many different nationalities, and we are all respectful of that. توجه اللغة الإنجليزية في شمال أفريقيا، معناها نحب نكونوا الأفضل في مختلف معناها دول شمال أفريقيا، ولكن هي أيضا مدرسة نموذجية، معناها تسعى أن الطلبة نتاعها يدرسوا في أقوى الأحسن المراحل الجامعات الأوروبية.